Voici le résultat du scrutin pour l'élection du président du Sénat. Nombre de votants, 348. Bulletin blanc, 22. Bulletin nul, 6. Suffrage exprimé, 320. Majorité absolue, 161. Ont obtenu M. Gérard Larcher, 218 voix. Ce n'est pas un vote par acclamation, donc je vais vous donner quand même les scores des autres candidats. Monsieur Patrick Kanner a obtenu 64 voix. Madame Cécile Cukierman, 20 voix. Et monsieur Guillaume Gontard, 18 voix. Donc, monsieur Gérard Larcher ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, je le proclame élu président du Sénat. Et conformément à l'article 1er du règlement, je l'invite à prendre place au fauteuil de la présidence que je lui cède bien volontiers.